La réalité, c'est que Dieu a donné Paul Biya, a Non. donné à Paul Biya le Cameroun. Et il lui a donné le Cameroun pour qu'il en prenne soin. On en est là. Mais c'est pour arriver à ta question de est-ce qu'il y a la Je vous laisse démocratie ou pas. poursuivre. D'accord. Parce que Dieu a donné à Paul Biya le Cameroun, il a utilisé le président Ahidjo comme instrument pour remettre le Cameroun à Paul Biya. Paul Biya est très conscient de cela. Et pourquoi est-ce que lui, il a été choisi? Parce que justement, il a et le mental et le spirituel qu'il fallait pour tenir ce pays après qu'on ait ouvert les vannes. Parce que pendant longtemps, nous avons tous été alignés, correctement disciplinés pendant la période Je vous laisse Ahidjo. poursuivre, mais je veux relancer. Dieu a également Comment donné, c'est Dieu a animé comme ça, également toi, tu donné fais. Poutine à la Russie. Non, 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 ça ne s'est pas passé exactement de la même manière. Il a donné son président à Là-bas, c'est pas l'Ukraine. Dieu. Je dis que ça ne s'est pas passé exactement de la même manière. Monsieur le Après, pasteur, il y il n'y a a les pas eu. différentes tentatives. Écoutez-moi quand même, Non, vous je vous laisse, allez. excusez-moi, je vous Voilà. laisse poursuivre. Il y a eu les différentes tentatives de coup d'État. Elles n'ont pas prospéré. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que il Une était tentative ou des tentatives? des tentatives, il y en a au moins eu trois. Bon, maintenant, On n'était pas après prêts. ces tentatives, le président de la République a commencé son travail dès le départ. Dans les années 80, il a déclaré, avant le discours de la Bolle, il a déclaré qu'il va apporter la démocratie au Cameroun. Et il a commencé par le RDPC lui-même. Et nous avons vécu dans les années 80, au sein du RDPC, dans les années 80, après le 85, nous avons connu, je pense que c'était les élections de 86, le début de ce que c'est que la démocratie, pas le multipartisme. Parce qu'il y a une différence entre démocratie et multipartisme. On peut très bien vivre dans une organisation monopartiste et adopter des règles qui sont des règles démocratiques. Donc, je pense que dans sa vision et dans sa façon de concevoir très pédagogique,